Je vais prier. Ô Père, ô Dieu, je vais te rendre grâce. Je te bénis pour l'excellence des révélations à moi accordées, Éternel, ton serviteur que je suis. Je viens devant ton saint trône, ô Père, demander avec foi que toute personne connectée à cet autel en ce moment précis jouisse de la révélation que tu m'as accordé au nom suprême de Jésus, que le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, accorde à toute personne connectée à cet enseignement, à cet autel, en ce moment précis, la capacité d'écouter et de comprendre, que l'illumination, que l'explication, la compréhension soit accessible avec l'assistance du Saint-Esprit en nous qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit amplifie mes propos, s'adresse précisément, spécifiquement à chacun d'entre nous, pas pour une instruction stérile, mais pour une révélation qui libère et qui nous donne de vivre une vie embellie, reflétant ainsi la justice de la croix et l'évidence de la rédemption. Que cela soit notre portion, notre partage, maintenant et à jamais, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un donne trois bons amen. Amen, amen et amen. On peut s'asseoir dans sa glorieuse présence. La dernière phrase de Jésus à la croix. Tout est accompli. En déclarant ces paroles, Jésus qui était 100% homme et 100% Dieu, avait la pleine conscience et la pleine connaissance des situations difficiles, des attaques, des problèmes qui allaient survenir dans ta vie d'aujourd'hui. Parce que dans sa dimension de Dieu, il pouvait connaître parfaitement le passé, le présent et le futur en même temps, car en tant que Dieu, il y a la dimension de l'omniscience qui sait tout. Donc, le tout est accompli n'était pas un événement se rattachant simplement à ta vie passée, mais elle englobe aussi ta vie présente et celle à venir. Et l'apôtre Paul va plus loin. S'arc-boutant, se tenant sur la justice et la croix, il va dire dans Romains 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Dans la compréhension de la rédemption par la justice et la croix, a donné à l'apôtre Paul, qui écrit sous inspiration de l'Esprit, de déclarer que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Souligné par Jésus-Christ lui seul. C'est-à-dire que cette déclaration t'interdit de croire en tant soit peu que c'est par ta propre justice que le règne deviendra une évidence dans ta vie. Non, mais par la justice de la croix. Car c'est par lui, par Jésus, que nous régnons effectivement. Cependant, le monde dans lequel nous vivons, en termes de rappel au message passé, est justement soumis aux lois divines. Et c'est pour ça que Job 38, verset 33 déclare, « Connaît-il les lois du ciel ? Les lois du ciel règlent-ils son pouvoir sur la terre ?» Dont la terre, justement, et tout ce qu'elle englobe, l'univers, est soumis aux lois de Dieu. Non, notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un légaliste. Il s'appuie sur sa loi. Mais connaître les lois de Dieu peut être un sérieux désavantage. Voyez-vous, il est important pour chacun d'entre nous de connaître ces lois. Comment est-ce qu'elles marchent et comment est-ce qu'elles fonctionnent. D'où l'importance de cet enseignement sur la plaidoirie. D'accord? Très important, cet enseignement sur la plaidoirie. Et nous avons défini justement la plaidoirie comme étant la capacité de plaider justement sa cause. Vous voyez, devant le trône de la justice de Dieu. Vous voyez, un acte de défense qui est adressé par un avocat chargé d'un dossier. Ça peut être ton dossier, celui de ta famille, ok? Ou alors adressé à la justice par un des collaborateurs l'avocat pour faire valoir les arguments de droit afin que la personne accusée ou qui accuse puisse avoir gain de cause. C'est ce qu'on a défini en parlant de plaidoirie.
Donc, pour plaider, il faut connaître. La connaissance est fondamentale. Vraiment est fondamentale. Dans le royaume des cieux, la connaissance est un avantage. D'ailleurs, la connaissance révélée est une dotation de Dieu en ta faveur. C'est une richesse. Et dans la vie de tous les jours, les personnes qui investissent pour leur savoir sont toujours ceux qui ont la prééminence. Hélas, les voyez, les esclaves vont dépenser beaucoup d'argent pour leur corps, pour leurs apparences, mais les rois dépensent beaucoup d'argent pour leur savoir. Parce que nous régnons parce que nous connaissons et non parce que nous possédons. Donc c'est important d'investir pour la connaissance. Cet enseignement te permet d'avoir la connaissance et d'avoir la consistance pour un règne évident dans la vie de tous les jours. Parce que bien souvent, quand moi j'ai fait de la consultance, et gloire à Dieu pour cette grâce, pendant plus de 10 ans, allant d'église en église, pour enseigner, pour aider dans les croisades du réveil, dans des campagnes, dans des thèmes, pour aider à la stabilité. Et j'ai constaté que le vrai problème majeur que nous avons dans l'église, c'est qu'il y a tellement d'ignorance. Les gens sont sincèrement sérieux. Et puis, ils sont sincèrement égarés dans l'ignorance. Parce que, eh bien, j'ai réalisé que Dieu n'est pas ému par le sentiment de pitié. Non, ce n'est pas le sentiment de pitié qui va déclencher la main de Dieu en ta faveur. Non, mais Dieu est tenu par ses lois. Et dans bien des cas, quand on dit à Satan, va-t'en, Satan dit, mais pourquoi peux-tu me chasser alors que c'est Dieu qui m'envoie vers toi? La Bible dit que quand Satan est allé se tenir devant Job, devant Dieu pour Job, la Bible dit, et Dieu livre à Job, à Satan, livré. Il a livré Job à Satan. Donc quand il a livré Job à Satan, est-ce qu'un pasteur pouvait interrompre la prière de l'action de Satan? Non. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a livré. Il y a des actes que nous posons qui obligent le ciel à l'ascension. Donc seule une plaidoirie basée sur la rédemption peut rendre suspensive l'effet de telle tragédie dans la vie des croyants. Et c'est pourquoi on peut prier, on peut jeûner, on peut donner, on peut et puis être misérable, parce que nous sommes ignorants. Je viens livrer une guerre par cet enseignement à l'ignorance chronique qui peut s'attacher à ton âme et t'empêcher de vivre la plénitude de ce que le ciel te réserve. Cet enseignement te donnera de l'avantage dans la vie. L'avantage. Je dis bien, les gens vont te regarder et vont avoir l'impression que Dieu fait acception de personne. Parce que justement, la connaissance revenue déclenche un cycle de faveur dans la vie de quiconque possède, d'accord, la connaissance. Dans Deutéronome 48, verset 28, verset 48, la Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu dans la fin, la soir, la nudité, la disette de toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverra, l'Éternel enverra contre toi. Voyez-vous, on parle là des ennemis que Dieu envoie. Alors, si Dieu envoie un ennemi contre toi, ce n'est pas feu qui va faire fuir l'ennemi. Il faut régler le problème qui a déclenché la venue de l'ennemi vers ta vie. D'accord? Si le problème n'est pas réglé, aucune prière ne pourra stopper la plaie. Donc, c'est très important de le comprendre. Et ensuite, il dit, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois détruit. Ce n'est pas un ange qui viendra te détruire. Mais dès que la malédiction est programmée, donc les démons vont aller pour exécuter ce qui a été arrêté par le ciel. À partir de ce moment, cette exécution devient légitime selon la haute cour de justice céleste. Voilà. Donc, en tant que, justement, enfant de Dieu, nous devons apprendre à plaider. Très, très important. Plaider sur la base, justement, de la justice et la croix. Ésaïe 43, verset 26 dit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Et nous avons dit, en évoquant justement l'enseignement sur la plaidoirie, qu'il est important de comprendre que toute réalité naturelle est une transposition, d'accord, des vérités spirituelles. Dans les réalités naturelles, ce sont des transpositions des vérités spirituelles. Parce que le monde naturel n'est que le reflet, justement, des réalités, des vérités spirituelles. C'est très important. Tu en paix sur la terre, tu en paix dans les cieux. Il y a un tribunal sur la terre, il y a un tribunal dans les cieux. Il y a un juge sur la terre, il y a un juge dans les cieux. Il y a un avocat sur la terre, il y a des avocats, il y a un avocat dans les cieux. C'est très important. Donc, de comprendre cela, Dieu a voulu que le monde fonctionne de la sorte. Et on a vu que lors de notre plaidoirie, il était important de comprendre
quels sont les arguments qu'utilise notre adversaire. La Bible appelle le diable l'adversaire. Notre adversaire, le diable, qui rôde autour de nous. Il va utiliser des arguments pour pouvoir déstabiliser ta vie. Et donc, nous avons dit que l'un des premiers arguments, c'est l'argument de la privation de la gloire due au péché. Dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à partir de ce moment, de façon légitime, tous les hommes doivent être privés de la gloire, selon ce texte. Sauf que il n'y a pas que ce texte dans la Bible. Il y a d'autres textes. Nous revenons sur le deuxième argument, Satan. Oh, les hommes ont été livrés, ils sont poussière, et tu es poussière, tu repartiras la poussière. On a dit à Satan, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc, ça donne une légitimité à Satan de consommer en sorcellerie certaines personnes. Et nous allons voir comment cet argument ne tient plus dans la Nouvelle Alliance. Comment dans la Nouvelle Alliance, on peut se tenir devant Dieu et stopper ça totalement. Amen. J'annonce sur ta vie, au nom suprême de Jésus, qu'aucun sorcier ne consommera ta chair. Au nom suprême de Jésus, ta manière de dire amen m'embête. On a vu que le troisième argument était l'hérédité des combats. L'hérédité. Voyez-vous, hérédité. Tu n'as rien fait. Tu as toujours été correct. Tu es né à l'école du dimanche. Ton berceau avait la forme d'une Bible. Ton biberon était, il y avait des versets bibliques dessus. Tu as toujours été correct. Mais ce qui se trouve que tu es quand même attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Le diable ne s'arrête pas à ta vie. Il peut aller 3 et 4 générations avant pour essayer de trouver une faille pour pouvoir pénétrer ta vie et la détruire. Donc il est important pour toi de savoir comment faire pour empêcher que cela ne se réalise. Et pour cela, tu dois travailler avec Dieu. Nous sommes donc des collaborateurs de Dieu. Dieu veut travailler par nous. Le règne sur terre n'est pas possible sans notre collaboration vis-à-vis de Dieu. Nous devons collaborer. Dieu ne peut pas régner sur terre sans la collaboration d'un homme. Il est écrit, pour votre connaissance, 2 Corinthiens 6, 1, 1 Corinthiens 3, 9, puisque nous travaillons avec Dieu, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Voyez-vous, la Bible parle de travailler et d'être ouvrier. Nous travaillons avec Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire simplement, oui Dieu, je te laisse faire. Oh Dieu, voilà, agis dans ma vie. Oh Dieu, je suis là, fais ce que tu as décidé. Ok, c'est très bien, c'est bien ta volonté. Oh bien Seigneur, merci, mais Dieu va te dire, ok, j'ai donc décidé, par exemple, de préserver cette génération avec l'arche. Et tu vas construire l'arche. Donc il ne va pas dire, oh Dieu Seigneur, je prie, oh ribaribo, sandare, baba, oh arche apparaît, oh arche apparaît. Certains d'entre vous, si étaient à la place de Noé, la génération aurait été détruite parce que vous aurez le seul soir à Dieu de construire l'arche. Oh Seigneur, j'appelle l'arche, j'appelle là, je possède là, j'appelle là. Dieu dit, ok, là, va construire, j'appelle. Non, nous travaillons avec Dieu. Est-ce que ça va? Et la même chose est valable dans notre moment de prière. Dieu a besoin de certains de nos arguments pour autoriser son action sur terre et rendre légitime l'opération de ses anges en notre faveur. Je parle bien du mot légitime. Et dans la prière de plaidoirie, nous permet justement d'atteindre cette dimension. Par la prière de plaidoirie, nous collaborons avec Dieu et sa justice. Par la prière de plaidoirie, nous renforçons la justice de la croix. Sur la terre des hommes, il y a une justice sur la croix. Par la prière de plaidoirie, nous amenons à manifestation l'évidence du triomphe de Jésus sur les œuvres des ténèbres. Par la prière de plaidoirie, nous marchons et jouissons de ce que le ciel nous a réservé. La prière de plaidoirie nous donne de constamment bénéficier de la grâce de Dieu. La prière de plaidoirie va déclencher le mécanisme de la miséricorde divine. C'est ce que la prière de plaidoirie fait. Et donc, c'est très important qu'on le comprenne. Au troisième argument, puisque nous sommes tous avocats stagiaires, prêts à plaider, justement, dans le grand cabinet Jésus-Christ et ses frères, vous devez être à même, justement, d'avoir des arguments solides. Afin que, si quelqu'un d'aventure a un problème, qu'on puisse compter sur ta plaidoirie pour aider la personne à être préservée. Vous savez, je reviens et je vous dis, quand vous lisez la Bible, vous êtes étonnés. Vous voyez, quand Joseph est en Égypte, Jacob arrive et il bénit 2 fois Pharaon. Quand vous comprenez le monde spirituel, frère,
Vous faites attention. Vous savez, il y a des gens sur terre qui vont jouir des avoirs de Dieu, mais qui n'iront pas au ciel. Et ceux qui iront au ciel, mais qui seront privés des avoirs de Dieu sur la terre, parce qu'elles ont été ignorantes. L'ignorance est fatale. Bienvenue au boulevard de la connaissance. Amen. Troisième argument de pointe. Vous devez évoquer votre immunité diplomatique. Ce n'est pas pour encenser vos oreilles, mais permettre à votre esprit de saisir une vérité spirituelle de haute portée. De haute portée. De haute portée. Quels sont ceux parmi vous qui croient que la Bible est vraie? Levez la main, s'il vous plaît, levez la main. Et quels sont ceux qui croient que la Bible est vraie? Levez la main. Eh bien, très bien, baissez-la. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20? À votre égard, regardons. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. Puisque nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Réalisons la première partie, 1, 2, 3. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. On a dit quoi? Les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et Christ veut dire pour loin, pour le Messie, pour le choisi, pour loin avec son onction. Nous faisons office d'ambassadeur. Nous sommes donc la figure visible qui représente justement la divinité sur la terre des hommes. Nous sommes, voyez d'accord, ambassadeurs de Dieu. Et donc en tant qu'ambassadeur, nous jouissons d'une certaine immunité. L'immunité, pour ceux qui n'ont peut-être pas la connaissance de ce mot, étymologiquement parlant, veut simplement dire que nous jouissons d'une protection particulière qui empêche donc à la juridiction du pays de résidence où nous sommes en tant que diplomates de pouvoir s'attaquer à nous. Et les forces qui sont en place, si elles s'attaquent à nous, peuvent déclencher ce qu'on appelle un incident diplomatique. Et dans la Bible dit, nous faisons office d'ambassadeur pour Dieu. Le problème que je veux, c'est que je veux savoir, quels sont ceux qui croient vraiment qu'ils sont des ambassadeurs? Levez la main, déclare, je suis un ambassadeur pour Dieu. Pour Christ, encore ambassadeur pour Christ. À une dernière fois, je suis un ambassadeur pour Christ. Eh bien, donc si vous êtes ambassadeur pour Christ, alors là, en tant qu'ambassadeur pour Christ, on ne peut pas s'attaquer à vous au tribunal n'importe comment, parce que vous avez une immunité. Donc si on s'est trompé et que vous êtes convoqué au tribunal, vous pouvez en tant qu'avocat vous tenir et dire au président du tribunal et à ce tribunal que là, mon client, celui qui est accusé, nous vous rappelons, jouit d'une immunité diplomatique et ne peut donc pas comparaître devant ce tribunal parce que ce tribunal est incompétent pour le juger. Il a une immunité. Frères et sœurs, saisissez cette révélation. Vous savez que quand Satan s'est présenté, suivez-moi bien, dans le conseil de Dieu, et qu'il a accusé Job, est-ce que vous savez qu'il s'est présenté de façon légitime? Regardons Job 1, verset 6. Regardons Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. On peut se poser la question, si c'est vrai que Satan a été chassé du ciel, comment Satan avait encore accès au ciel? C'est intelligent, n'est-ce pas? Satan a été chassé depuis, on voit le texte dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28. Mais il se trouve où donc que Satan réapparaisse au ciel? Eh bien, qui lui a donné le droit d'entrer au ciel? Il avait un droit d'entrer, un ticket légal. Le ticket légal lui a été donné par Adam. Pourquoi? Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Parce que Adam avait non simplement la jouissance de la terre, mais il avait un accès au ciel en donnant sa place à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde, selon 2 Corinthiens 4:4. Satan a occupé le territoire terrestre et il a occupé l'accès céleste. Donc, que Dieu le veuille ou pas, Satan pouvait revenir devant Dieu de façon légitime. Donc, Dieu ne pouvait pas s'attaquer en disant « Je ne veux pas te voir ici » parce que le ticket d'entrée lui avait été donné par Adam. Et Dieu est tenu par sa propre justice. D'où les phrases de Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le tomber du ciel comme un éclair, ce n'était pas Lucifer, mais il dit Satan. Ça veut dire il tombait la seconde fois, ayant été, voyez-vous, évacué par le témoignage du sang, pour ne plus jamais avoir accès à ça au ciel. D'accord? C'est très important de le comprendre.
Donc quand vous comprenez ça, frères et sœurs, vous faites attention à comment est-ce que vous priez. Vous évoquez votre humanité. Satan est tombé du ciel. D'accord ? Il est tombé du ciel. D'accord ? Il est tombé du ciel. Donc l'accès n'est pas légal. Donc il est venu se présenter devant Dieu. Et Dieu lui a livré Job. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé en Job une loi qui obligeait le ciel à livrer Job entre les mains de Satan. Dieu a simplement dit, vas-y, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Vous devez comprendre une certaine légitimité. Le diable, c'est tellement intelligent qu'il va profiter de toutes les failles de votre vie pour essayer de vous déstabiliser. Donc vous devez être vraiment des personnes qui connaissent, qui ne sont pas ignorantes. Regardez ce qui est écrit à votre sujet. Si du moins vous êtes né de nouveau. Vous voyez, parce que vous voyez bien 2 Corinthiens 5, verset 20, et le texte qui vient juste après, d'accord, dans le même ligné, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis après moi, je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Encore, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Encore, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que si quelqu'un se tient sur votre passé pour pouvoir porter plainte à votre égard, il perd son temps. Parce qu'à votre égard, les choses passées sont dépassées. Mais voyez-vous, c'est très important. Mais Satan étant hors la loi, Satan est bandit, Satan est rusé. Donc il va essayer de voir s'il peut te prendre au piège de la loi pour t'amener à subir ses oppressions. Tu dois donc faire attention. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, oh ce texte est profond, et qui croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé, c'est qui? C'est qui, s'il vous plaît? Qui est la personne qui a envoyé? Ok? À la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. On dit bien le mot jugement. Le jugement en question, ça vous fait penser à quoi? Au tribunal. On juge les hommes où? Au tribunal. Remettez le texte. On dit, et quiconque qui m'envoie la vie éternelle à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. En d'autres termes, il n'est pas jugé. Il n'y a donc plus de possibilité de le juger parce qu'il a cru en moi. Il passe de la mort à la vie. Donc c'est une transition, une translation qui a lieu par la foi. Et donc, sinon, imaginez les gens de ton village, prends un jugement contre toi, on va les faire mourir, on parle sur les arbres, on parle sur les forêts, escale, parce que même les arbres peuvent gifler quelqu'un. Parce que, écoute-moi bien, non, je suis sérieux, écoute-moi bien, la Bible dit la création tout entière soupire après la révélation des fils. Donc même les arbres, même la forêt, même la terre, va s'énerver en disant comment vous avez osé vous attaquer à la nouvelle création que nous recherchons. Vous savez, nous sommes tellement religieux que le monde spirituel, nous le méconnaissons. Les gens vont être pendus à des arbres à cause de vous. La terre va s'ouvrir sous quelqu'un à cause de toi. Il faut faire attention. Dis après moi, je suis la nouvelle création. Oh, déclare-le encore, s'il te plaît. Le drame, c'est qu'on a des croyants qui sont des croyants de la ville. Ils sont pasteurs, mais ils ne peuvent pas aller dans leur village. Ils se prosternent devant les sorciers. C'est parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche juridiquement parlant. Vous savez, je peux dormir dans le même lit. On me dit que Satan est à côté, je dors. Ça, écoutez-moi bien. Quand vous avez compris ça, on vous dit Satan est à côté. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors. Parce qu'il n'a pas possibilité de te toucher. Sa présence ne veut pas dire que tu es vulnérable. Ça ne veut pas dire que tu es vulnérable. Tu restes tranquille. Non, il y a une immunité. Dis immunité. Dis encore immunité. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc voyez, si vous êtes dans une voiture diplomatique et au bord de la route, il y a la police. Quand la police vous voit, la police du pays n'a même pas le droit de vous arrêter. On vous laisse passer. Les bagages diplomatiques ne sont même pas fouillés. On vous laisse passer.
Donc si vous donc vous bénéficiez de l'humilité divine, frères et sœurs, ce n'est pas un petit démon, un démolos qui pourra s'attaquer à ta vie. Je décrète, je déclare, j'établis que quelqu'un entende ce que je suis en train de dire. Que le diable mordra sa propre queue en ta présence. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Que quelqu'un déclare, je suis passé de la mort à la vie. Oh, affirme-le encore. Une dernière fois. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, arrêtez-moi les slogans, hein, les puérils, les slogans enfantins, mais déclarez la vérité en toute conscience. Quand on dit passer de la mort à la vie, on n'a pas dit que tu as quitté, tu es sorti de ton village pour la ville. On est en train de dire que tu es sorti de la domination de la mort, c'est-à-dire la mort prématurée, les malédictions, la maladie, la pauvreté et les choses semblables. Tu es passé de là à la vie. Donc écoute-moi bien, c'est ce que la Bible dit. Qui l'a dit? Qui a dit ça? C'est qui? C'est Dieu ou c'est le diable? Je vais t'enseigner lors du message prochain comment tu dois mettre Dieu face à ses obligations. Le drame, c'est que souvent, et ça, ça m'embête, parce que les gens, quand j'ai commencé à enseigner sur les engagements obligatoires des obligations de Dieu, les gens commencent à dire non, c'est de l'irrévérence. Non, c'est pas de l'irrévérence. Dieu ne fait pas alliance avec quelqu'un sans se. Et puis, il se fait des alliances. Il n'a pas juré à Abraham pour rien. Il a juré parce qu'il devait te tenir. Et il a juré en te tenant sous la juridiction la plus élevée. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi aller porter plainte aux engagements de Dieu vis-à-vis de notre Père. Et comme Dieu a toujours raison, il nous montrera ce qu'il faut faire. Vous savez, frères et sœurs, Dieu n'a pas envie de te garder comme un petit enfant qui est toujours en train de téter. Il faut être spirituel, atteindre une certaine maturité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais accepter le Christ qui est toujours sur la croix ou bien sur sa main en train de téter. Il faut parler de la dimension du ressuscité, de celui qui règne dans la vie. Donne-moi le meilleur des amen. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Et vous savez quoi, mesdames? Maman, mes mamans qui sont ici et qui m'écoutent ailleurs, réjouissez-vous, vous dont les mamelles ont allaité, les enfants qui ont sucé et tété à vos seins, si vous êtes convertis, ils bénéficient de votre humilité. Je vous dis, ce n'est qu'une question de temps. Ils peuvent être dans la drogue, dans les fumoirs, dans la sorcellerie, dans plein de choses. Tu t'en fous. Parce que tu vas engager par la prière ton enfant dans la justice de la croix. Jusqu'à ce que tu le vois. Mon propre père m'a regardé en face et il m'a dit, je préfère te voir mort que vivant. Ma mère a cru en moi. Mon père a dit, vraiment, tu es une déception. Mais quand Jésus est entré dans ma chambre, il a tout changé. Vous savez, frère, quand une personne dans la famille a cru, la personne doit avoir l'intelligence d'évoquer l'immunité familiale. Vous n'avez pas compris, mais je vais vous faire comprendre. Regardez bien, viens, pasteur Assoi. Pasteur Assoi est un diplomate. Avance là devant l'autel, d'accord? Tu vas rester là où tu es. 1 Corinthiens 7, verset 14, il est écrit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. On dit sanctifié veut dire mis à part, c'est-à-dire intouchable, inviolable, sanctifié, mis à part, c'est-à-dire pendant que les calamités frappent le monde, la sanctification te préserve. Ça veut dire Dieu te met à part. Si les fléaux frappent, tu es sanctifié. Te met à part. Ça, on n'a pas dit sanctifié parce que tu es saint. Non, sanctifié parce que tu jouis de l'immunité de Dieu. Tu es mis à part. Ce qui arrive aux uns ne t'arrive pas. Il y a les uns et il y a les autres. Il y a les sanctifiés et il y a les pécheurs. Tu n'es pas de la race des pécheurs. Tu es de la race des sanctifiés, mis à part. D'accord? Et dans ce cas-là, la Bible dit, femme, ton mari, le mari non croyant est sanctifié par toi. Ton mari est un buveur professionnel. Mais tu es converti. Tu es fâché. Mais ne plie pas ta bouche hein, pour l'insulter en disant que toi là tu vas aller à l'enfer. Parce que tu es en train d'enlever son humilité. Il faut dire ce que la Bible dit. Tu pleures. Tu dis, heureusement, tu es humilisé. Au nom de Jésus. Mais, tu as mal au cœur. Mais ta bouche doit dire la vérité. Ah, ça c'est dur pour les femmes. Hein, parce que quand elles sont fâchées, elles veulent seulement dire feu. Feu.
C'est pour ça que dans les églises, on dit feu sur le mari, feu sur les. Oh, les femmes sont nombreuses. Feu, ribaba. C'est toujours elle. Mais quand tu vois, il faut l'intelligence. Tu n'as pas besoin de brûler ton mari. Tu as trop jeûné pour l'avoir. Ne le brûle pas. Amen. Tu as trop jeûné. Amen. Tu l'as eu. Souvent même, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Tu l'as choisi toi-même. Tu as usé de violence. Tu es allé l'arracher entre les mains de Satan pour dire, je veux cet homme. Maintenant, tu dis feu. Pourquoi feu? Il ne brûle pas. Amen. Alléluia. Le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari croyant. C'est-à-dire que si le mari est diplomate, la femme devient diplomate par alliance. Donc elle a le passeport diplomatique. Les enfants bénéficient de la même immunité. Parce que c'est la famille. C'est lui qui est payé par moi. Mais c'est la famille qui jouit de sa protection. Voilà comment ça va dans mon spirituel. Vous ne pouvez pas dire oui, vraiment, vous tremblez, mes enfants. C'est ça que Job a eu. Tout est tremblé. Attends, dis, ton gars là, je te dis, c'est un malo. Laisse-le-moi. Il ne t'aime pas, il ne croit même pas en toi. Il n'aime que ce que tu lui donnes. S'il croyait en toi, il n'aurait pas eu peur. L'amour parfait bannit la crainte. Frères et sœurs, cette année, j'ai échappé deux fois à la mort. La première fois, le camion de près de 32 roues aux États-Unis balèze à 22 heures environ a frappé la voiture sur l'autoroute. Je vous assure que quand le chauffeur même du camion est sorti, il tremblait sur ses pieds. On était dans la voiture. J'ai réalisé à l'instant T que la mort était passée à un centimètre. Il a pris le derrière, mais c'est incroyable, c'est juste divin. J'étais dans une grosse escalette. Oh, à la seconde d'avant, j'ai juste rabattu parce que je devais exiter. Si j'étais resté une seconde sur la gauche, ça allait être un accident fatal. En termes pour la voiture, parce que l'accident ne me tue pas, je ne meurs pas par accident. Amen. La voiture est fatale pour elle, pas pour moi. Amen. Dis la même chose, s'il te plaît, dis la même chose. Je ne meurs pas par accident, déclare-le. Hein? Vous n'avez pas vu les crashs d'avion, l'avion est tombé et puis il y a un survivant? Vous n'avez pas vu ça? Eh bien, si, même si l'avion crash pendant que l'avion est en train de crier dans l'avion, tu déclares, moi je ne mourrai pas. Frères et sœurs, il ne faut pas arriver au ciel et puis je juste t'ai pour dire je voulais te donner un témoignage et puis tu ne pouvais pas parler, pourquoi? Il faut pouvoir parler, frère. Amen, il faut pouvoir parler. Est-ce que quelqu'un comprend? La peur ne va jamais te sortir d'affaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut parler. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme quelqu'un qui a raté la mort, il pleure. J'ai failli mourir. Quand il dit j'ai failli mourir, il pense, oh, qu'est-ce que j'allais faire avec mon argent, frère, ça allait rester. Et ton argent, et ta femme, et ton argent, et ton mari. Il faut parler là-bas aussi pour dire, hey, il est en train de se marier. Dieu au ciel, que Dieu bénisse ton âme au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Déclare, j'ai l'humilité. Confesse-le encore, j'ai l'humilité. Et par conséquent, Satan, déclare-le, par conséquent, Satan, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi. Je déclare incompétent le tribunal où tu essayes d'aller porter plainte contre ma personne. J'évoque ici que je suis ambassadeur de Dieu au nom suprême de Jésus. Et à cause de cela, bien au contraire, je demande au tribunal de prendre des résolutions en ma faveur et de m'affecter la police diplomatique pour protéger mes intérêts. Car je suis dans un territoire où les menaces sont nombreuses. Je veux la garde rapprochée au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. 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 Alléluia. Le diplomate de l'ambassadeur de des États-Unis à Abidjan n'a pas la même garde que l'ambassadeur des États-Unis en Libye. Parce que ce n'est pas les mêmes territoires. En Libye, c'est chaud. Les gars veulent le tuer tous les jours. Parce que c'est hostile. Et Dieu sait qui t'a laissé sur la terre où Satan est le Dieu. C'est hostile. C'est pour ça que dès que tu nais de nouveau, la première chose, c'est qu'on te met tout de suite en garde rapprochée. L'ange de l'Éternel est là autour. Et l'ange n'est pas déchu. L'ange à lui seul peut mettre en déroute tout l'enfer. Ta manière de dire amen m'embête. Un seul ange peut déstabiliser tout l'enfer. Parce qu'il joue la légitimité du pouvoir divin.
Donc si les anges déchus peuvent traumatiser les villages, traumatiser les villes, à plus forte raison ceux qui bénéficient encore de la légitimité de Dieu. Amen. Je décrète, déclare, établis sur ta vie que cela est ton partage, la jouissance de la haute protection de Dieu dans ta vie de tous les jours. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Vous savez, les religieux n'aiment pas ça. Dieu ne te protège pas parce que tu pries, parce que tu jeûnes, parce que tu donnes ta dîme, parce que tu donnes tes offrandes. Il te protège à cause des accords qu'il y a entre le ciel et toi. Amen. Dis encore amen. Alléluia. C'est mon partage et ma portion. Frère, l'homme qui vous parle en face, j'ai échappé à la mort cette année deux fois. La deuxième fois, c'était en mars. Je suis tombé sous mon lit et beaucoup de personnes, je me suis tué. Et il n'y a qu'à la maison, ma femme et une fille qui étaient au courant de ce traumatisme terrible que j'ai vécu. Alors j'étais là et puis la veille, le Seigneur m'a dit, regarde à la croix. Et je me rappelle que j'ai dit que je suis guéri, Seigneur. Je savais que j'étais guéri. Vous savez, la communion du Saint-Esprit. J'ai regardé à la croix et je n'arrivais pas à voir la croix. Il y avait comme un brouillard entre la croix et mes yeux. Et en certain moment, focalisant, me concentrant sur la croix, fermant les yeux, j'ai revu Jésus maintenant en train de souffrir, en train d'être insulté. On était en train de cracher sur lui, en train d'aller à la croix, en train de on arrachait sa barbe, on tapait en disant prophète. Et quand ces scènes sont revenues, alors j'ai levé ma voix, j'ai dit, Seigneur, c'est pour moi que tu es mort. Tu as pris ma place à la croix. Tu as pris ma place. Et j'ai regardé à la croix. Et en ce moment précis, le témoignage du Saint-Esprit me disait, tu es racheté. Tu es guéri. Je savais que cette nuit-là, j'avais été totalement délivré. Le lendemain, aux environs de 15h30, ah donc, 15h30, 16h, avant d'aller chez le coiffeur, j'ai eu une scène terrible. J'essayais de me lever du lit, je me suis levé, il n'y avait normalement pas assez de problème. Et donc, je suis retombé sur le lit et c'était terrible. Donc, quand je suis retombé, je savais que j'étais en train, enfin, je suis entré dans un truc, je n'ai pas bien compris. Ça a duré longtemps et quand je suis sorti de cette vapse-là, environ 2-3 minutes, je savais que là, c'est comme ça qu'on dit quelqu'un est mort subitement. Donc, ma femme allait monter et puis elle me trouve sur le lit, couché, mort subitement. Mais ce n'est pas arrivé. Donc je me suis relevé et je suis descendu. J'ai dit à ma fille, l'ange de la mort vient de me rendre visite. Mais là, je suis passé à côté. Mais pourquoi? Parce que je me suis tenu sur la victoire de Christ. Frère, je veux vous dire, n'en déplaise à ceux qui pensent que c'est faux. Beaucoup de croyants meurent avant leur heure. Même des pasteurs meurent avant leur heure. Dieu n'a pas envie de te voir mourir jeune, dans la vigueur de ton âge, alors que tu n'as même pas encore achevé le 1/10 de ta mission. Le royaume des cieux est forcé, la violence en empare. Vous devez être même dans la violence spirituelle, de dire non, frères et sœurs, si vous vous taisez, vous devenez complices. Vous savez, oh non, Jésus va dire, je suis malade, tu vas mourir comme une souris mouillée. Il faut parler, te mettre sur parler et continuer à te déclarer. C'est important, frère. Après, on viendra dire, oui, Dieu a donné et Dieu a repris. Non, si c'est moi, Dieu a donné, Satan a repris. Mais nous rendrons grâce à Dieu. Amen. C'est Satan qui a repris, c'est pas Satan qui a Dieu qui a repris. Je déclare sur ta vie que Satan ne reprendra pas ta vie. Amen. Oh, ta manière de dire amen, m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Amen. Et donc, le quatrième argument et le dernier pour aujourd'hui, sur lequel vous vous tenez dans votre plaidoirie, vous devez plaider et évoquer l'absence de motifs légitimes. Évoquer l'absence de motifs légitimes. Souvenez-vous que ce qui donne force au droit, c'est le droit. D'accord? Donc c'est la loi qui donne. Voyez-vous, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. Donc si on vous juge, c'est parce qu'il y a un code pénal. C'est parce qu'il y a un code civil. Donc si la loi n'a pas dit quelque chose, on ne peut pas vous condamner pour ce que la loi n'a pas évoqué. Et donc, dans le cas, Dieu était tellement intelligent qu'il nous a donné une porte de sortie extraordinaire dans notre plaidoirie. Colossiens 2, verset 14, Jésus est extraordinairement intelligent. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Regardez, il y a deux choses en une. Il a d'abord effacé, c'est-à-dire, donne-moi une Bible, quelqu'un qui a une Bible en papier me donne sa Bible. Il a pris l'acte, d'accord, et il a effacé. Donc, voyez,
il a pris le soin. Toutes les pages ont été effacées. Donc le livre est resté blanc. De façon que si on l'ouvre, on ne retrouve plus aucun texte. Et il a fait une deuxième chose. En le clouant à la croix. Donc il a seulement, non seulement effacé les textes, mais après il a détruit le livre. Ça veut dire que si maintenant l'accusateur veut porter plainte, il va se souvenir de ce qui est écrit, mais il ne trouvera pas le texte. Parce qu'en fait, le code qui pour pénal de la juridiction céleste qui condamnait la nouvelle création a été détruit. Et à partir de ce moment, selon la loi, vous savez, l'apôtre Paul parle un langage juridique. À partir de ce moment, donc, je peux évoquer l'absence de motif légitime. Et il y a donc un sérieux vide juridique à votre sujet. Parce qu'il n'y a rien qui est dit. Et là, vous revenez sur notre texte. Simplement, que dit maintenant ouais, les textes qui ont été revus après la mort de Jésus à la croix. Qui dit quoi? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul autre homme, vous serez redevenu juste. Donc, frères et sœurs, vous comprenez ce que je suis entendu? On a pu dire oui, vraiment, et il a fait, elle a fait. Non, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris. Il est fidèle. Fidèle. Donc, voyez-vous, il a pris la place. Il est fidèle parce qu'il a pris ta place. S'il a pris ta place, oh frère, je vous en supplie par les compassions de Dieu. Quel que soit votre niveau d'intelligence humaine, que la sagesse divine vous soit conférée et que vous compreniez des choses que les vieillards n'ont pas compris, que même les théologiens n'ont pas assimilé, car c'est le Saint-Esprit qui vous donnera de comprendre. S'il a pris ta place, c'est-à-dire que tu n'es plus quelqu'un de condamnable parce que la condamnation est retombée sur quelqu'un qui a payé le prix à ta place. Oh, quand dans ta manière de dire Amen m'embête. Il a pris ta place. Frère, arrêtons cet évangile où il faut te recrucifier. Il a pris ta place. Par un seul, le péché est entré dans le monde. Si par un seul, le péché est entré, par un seul, la justice arrivera. Alors si vous êtes allé à l'école de la péchéologie, pour apprendre à pécher, à l'école des malédictions pour être maudit, à l'école de la galère pour être dans la galère, à l'école de la souffrance pour souffrir, alors je vous demanderai d'aller à l'école de la bénédiction, à l'école de la santé, à l'école de ceci, frère. Non, c'est une question de dotation. Un don est un don. Alors, pasteur, assois, je te fais don. C'est un don. Et la seule chose à faire, c'est de prendre parce que c'est un don. Il t'a donné. Quelqu'un dise Amen. Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, regardez cette illustration dans le cas de Josué dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Il ne faut jamais être absent quand tu es accusé. Jamais. Il faut plaider ta cause. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Frère, est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Non, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Non, pas du tout. Non, 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 c'est pas moi. C'est dedans. C'est pas version Raoul Wafo, c'est dedans. D'accord? Satan se tenait à sa droite. Allons-y au verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, voyez-vous, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Écoutez bien, quand on dit ici que l'Éternel te réprime, c'est Dieu qui parle et il dit l'Éternel te réprime. Normalement, il a dit je te réprime Satan. Pourquoi il dit l'Éternel te réprime? Parce qu'en ce moment, il n'a pas porté le manteau de l'Éternel, il a porté le manteau du juge. Donc en tant que juge, il dit que l'Éternel te réprime. Donc dans la casquette, identité de juge, il dit que l'Éternel te réprime. Pas, c'est pas que je te réprime, non, parce qu'il était là en tant que juge. Sauf que toi, pour ton cas, le juge est en même temps ton père. Et donc, pendant qu'il est en train de prendre la décision, il sait que tu es son fils. Donc, qu'on veuille forcer, il y a quand même quelque part une inclinaison à t'écouter. Et personne ne peut corrompre le jugement rendu, parce que celui qui rend la décision est devenu ton père. Tu vas sortir d'ici en riant à 42 dents. Que la joie de l'Éternel soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen.
C'est terminé la vie de frustration, la vie de honte, la vie d'échec, la vie de mélancolie. Non, les lamentations, c'est l'Ancien Testament. Il faut écrire un nouveau livre appelé livre de réjouissance. On se réjouit dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous, frère. Amen. Alléluia. Or, Jésus était couvert de vêtements sales. Jésus était comme moi. Les vêtements étaient sales. Et il s'est tenu debout devant l'ange, présent au tribunal céleste. Il devait être jugé. Regardez au verset 4. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais des habits de fête. Ça ressemble ici à la redécoration, d'accord, de l'apparence du fils prodigue qui est revenu, dont on a changé les vêtements. Ça ressemble là à celui qui est né de nouveau, qui était dans les vêtements de honte, de péché, d'échec, tout ça, dont on a déshabillé et on a glorieusement habillé. Pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce que c'est ce qui lui est réservé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Verset 5, j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Oh, nous chantons, nous sommes un turban royal. Un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Il était là, présent. Il était présent. Je décrète, déclaré, établi que ta victoire est incontestablement visible. Oh, le tribunal ne pourra pas mener à ta destruction. La gloire de Dieu est ta pleine portion. Vis la plénitude de ce que le ciel t'a réservé. Vis la plénitude de la gloire de Dieu rattachée à ta vie. Cela est ton partage, cela est ta portion. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons faire une forme de travaux pratiques des TP en tant qu'avocat stagiaire. Nous allons nous tenir devant le trône de la justice et vous allez prier avec moi. Priez avec moi, frères et sœurs, parce que je ne veux pas de la seule personne à porter justement la robe d'avocat. Nous sommes tous avocats dans le grand cabinet de Jésus-Christ et frères. Que restent assis tous ceux qui ne sont pas frères de Jésus. Que ceux qui sont des sympathisants de Jésus restent assis. Ne peuvent plaider que ceux qui sont nés de nouveau et qui ont revêtu la robe de la justice. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Frère, alléluia. Frères et sœurs. Et je vous le dis en toute vérité, je ne sais pas s'il y a un autre secret, mais moi je vous donne les secrets que j'ai connus par Dieu et qui font de ma vie ce qu'elle est. Il y a des thèmes que je ne connais plus. Maladie, manque, etc. J'ai des choses que je me demande comment les gens font pour avoir ce genre de problème. Je parle et je me tiens sur la parole. Ne laissez pas la religion pourrir votre vie, vous emprisonner à nouveau alors que vous êtes libéré. Levez votre main vers le Saint trône de sa grâce. Souvenez-vous que ce n'est pas à force de parole que vous êtes justifié. On va parler en toute connaissance de cause. Lève ta main vers le Saint trône, répète après moi ces paroles là où tu es. Quelque chose arrive dans ta vie. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce, car tu as payé le prix pour ma vie à la croix. Tu as versé ton sang pour mes péchés. J'approche dans le Père en ton nom. J'approche la justice de Dieu et je déclare que moi, Raoul Wafo, je revêts les fonctions d'ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes. C'est pourquoi j'annonce devant le trône de la justice que mon immunité, ma position d'ambassadeur empêche que le royaume des ténèbres puisse agir contre ma vie, car je représente sur terre les intérêts de Dieu. Mon Père, mon Dieu, que dira le monde s'il se rendait compte que tes serviteurs, que ton serviteur, que je suis, que ton fils, que je suis, que ton ambassadeur, que je suis, est humilié par l'ennemi sur la terre où tu m'as laissé après m'avoir sauvé. J'appelle donc maintenant le renfort de la sécurité divine, de la protection d'en haut, de la jouissance de mes avoirs en tant qu'ambassadeur de Dieu. Je demande que ma famille soit protégée et sécurisée. Pendant cette période où la pandémie est en train de frapper, j'annonce que ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes soeurs, ni ma femme, ni les personnes habitant dans ma maison ne seront atteints, car la main de Dieu est sur ma vie pour me protéger, pour me sécuriser. Toute accusation portée
contre moi à la cour céleste de justice est donc maintenant détruite au nom suprême de Jésus. Car j'annonce maintenant au nom suprême de Jésus qu'il y a au niveau de la cour céleste de justice un manque de motifs valables, légitimes. Non et non et non. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Raoul Wafo n'est pas condamné, n'est pas condamnable. Ce n'est pas possible. Je jouis d'une immunité particulière. Mon cas est spécial. Mon cas est particulier. J'évoque cela dans tous les domaines, dans la santé, dans les finances, dans mon mariage, dans ma famille, dans mes entreprises. J'évoque cela au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Elle coule abondamment dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Et que par cet enseignement, je te donne la capacité de commencer à prier en te tenant sur des fondements juridiques fiables. Demeure comblé et béni, au nom suprême de Jésus.